Notre prochain plan rapproché est autour d'une invitée qui a toujours rêvé jeune d'entendre sa voix dans un intercom de magasin à grande surface. Eh bien, soit! La petite Guylaine Tremblay est demandée à la caisse numéro 2. La petite Guilou Tremblay à la caisse numéro 2. Youpi! Pour toi, ça? Oui! Manque juste les bisous. Un jour, on pourra. Un jour, on va s'en prendre. Viens ici, toi. Ouais. Viens t'asseoir. Ah! Ah, Bernard! Bonjour. Salut! C'est Guilou, c'est Guylaine? C'est Guilou, hein? D'où ça vient, Guilou? Guilou, écoute, ça part du conservatoire. Il y avait un gars dans ma classe qui s'appelait Simon Fortin. Oui, oui. Puis, qui un jour me dit Guilou. Oui. Puis on m'appelait pas comme ça chez nous, on m'appelait pas Guilou. Comment on t'appelait? Puis c'est resté Guylaine. Guylaine, c'est tout. Puis petit, tout, mais... Guigui, Gougou, non, Guili, Guilou. Non, c'était Guylaine. Il n'y avait lui, pas de surnom? Dit... Non, c'est lui qui a commencé ça, donc j'avais 19 ans. Guilou, puis c'est resté. Est-ce que tu te fais appeler Guilou dans la rue? Est-ce que Oui, beaucoup. Oui, maintenant, maintenant il y a des gens qui m'appellent Guilou, puis je trouve ça très correct. J'aime ça, Guilou. Et de te faire interpeller comme ça... dans la rue de plus en plus, depuis... Tu sais, Bernard, moi, je dois te dire 30 quelques années. Ouais, peut-être, tu sais, plus 20 ans. Ben, ça s'accumule, ouais. Hein, mais moi, je dois te dire que les gens, ils sont d'une extrême gentillesse avec moi. Tu sais, vraiment, je dis toujours qu'il y a point neuf de rencontres de tata qui sont tata avec tout le monde. Oui, oui. Ils sont pas juste tata avec nous autres, ils sont tata... Tu sais, partout. On peut leur dire aussi parfois qu'ils sont tata. Moi, je fais des petites jokes comme ça. T'sais. Moi, il y en a un qui va au dépanneur. Fait « Oh! Vous avez commencé à perdre vos cheveux. Vous êtes fait « Hey! Ouais, vous avez vieilli. » Je fais « Vous n'avez plus ça à la tête. » Mais ça, ouais, c'est assez beau, incroyable. Vous l'avez juste sur le bord comme ça. Et là, j'y relance. Ouais. Mais bon, ben, je fais « Garde. » Pour eux autres, on fait partie de leur on vie. On fait partie de leur vie. Puis on fait partie de la famille. Fait que des fois, tu sais, ils ont des comme des permissions. Ouais. Comme s'ils nous connaissaient vraiment beaucoup. Absolument. Mais... en même temps, c'est ça fait partie. C'était pas écrit dans le contrat au départ parce qu'on nous apprend pas ça à l'école. Non. Mais non, surtout que moi, je viens du théâtre, Bernard. Ben oui, moi, c'est pareil. On nous reconnaît pas, là. Et puis même en faisant le métier, puis je pense que c'est ton cas, te connaissant, avec tout ce que tu as accumulé, on dirait que ça fait pas de différence dans ta vie à toi. Ça altère pas ton ego que tu as pas, je pense, pour que tu as des goûts. Non, bien, en tout cas, j'en ai un. Il est dans le coffre à gants. Bien, tu sais, j'en ai un suffisant pour monter sur une scène. Ben tu le sais, ça en a pas un égo. Mais après, je ne m'intéresse pas. T'entretiens pas ça. Es-tu réseau? Non, bien, Facebook un peu, parce que, tu sais, j'avais commencé ça parce que pour correspondre avec mes filles. Bien, je le savais, dans tu dirais ça, t'es une mère, premier rôle principal. Bien oui, à un moment donné, si je voulais leur parler, parce que le téléphone, ils savent plus ce que c'est. Ben ça. C'est quoi, cette affaire-là? Fax. Ils n'ont jamais su ce que c'était. Le courriel. Bon, oublie ça. Ça m'intéresse pas. Non. Mais je te dirais que je suis pas friande. Je suis pas sur Twitter, Instagram. Je mets une photo par année. Ouais. C'est pas le temps. C'est ça, on dirait que la vie, la vie, elle se passe réellement là. Ouais. Là. J'ai pas le temps de... Ça me tente pas de photographier mon manger. Non. Puis, tu sais, comme aussi à une époque, on voulait pas descendre dans le sol de quelqu'un puis de regarder trois heures de photos de voyage et d'enfants et de famille. Parce que des soirées interminables de diapositives. De diapositives, vous la, tu sais. Ça nous tente pas. Tu veux pas ça. T'es pas à ton premier barbecue en entrevue puis tout ça. Tu sais, as-tu l'impression de te radoter parfois, te répéter comme ce qu'on vient de dire là, tu l'as dit, mais de différentes façons? Est-ce que t'es tanné un peu de... Ben non. Ben je vais te dire, je vais t'expliquer non parce que, tu sais, moi, une entrevue, pour moi, c'est une rencontre. Oui. T'sais... Par expérience, j'en parle tout de suite, tu l'as fait, tu as inversé les rôles. En public, tu veux parler. En public. Ben oui, puis... ben oui. Donc, c'est une rencontre. Fait que même si tu dis la même chose, ton interlocuteur, c'est pas la même personne que la dernière fois tu en as parlé, puis tu as des réactions différentes. Puis cette personne-là peut t'amener un autre éclairage aussi sur ce que tu dis. Fait que j'ai pas l'impression de me... De radoter, de répéter ou d'avoir à tout le temps dire la même chose. J'ai pas la même opinion que toi là-dessus. On est tanné, c'est parce que ça a été écrit, ça a été dit, tu peux aller voir sur Internet et tout ça, puis... Et tu as l'impression que les personnes n'ont pas entendu, mais tu as raison, ils n'ont pas tout entendu. Non, moi, ce que je suis pas bonne, c'est quand on me dit, puis tu vas me comprendre, parce que on te l'a sûrement demandé, as-tu une anecdote?
à nous raconter. On va couper ça. Nous autres, on n'a pas cette question-là. Vous ne l'avez pas, hein, j'espère. Non, non, on n'a pas ça du tout. Parce que mon cerveau devient comme... Conte-nous une blague, là, qui te faisait rire. Oui, le cerveau... On gèle. Ouais. J'ai jamais rien à dire. Mais on a besoin de texte, surtout. On a besoin de jouer un personnage. On a besoin de défendre quelque chose qu'on est capable de sortir de même, comme un lapin d'un chapeau. Pas, une anecdote de voyage bien croustillante avec tes enfants. Plus rien. Non. Préparez-moi un petit peu d'avance. Cela dit, on ne t'a pas préparé, on ne t'a même pas fait de pré-entrevue, on ne le fait pas à plan rapproché. La simple et bonne raison que tu es ici, pour que, les gens qui viennent sur la plateforme et sur notre hublot.tv viennent chercher un peu d'informations sur Guylaine. Bon, qu'est-ce qu'elle va jouer? Mais qui elle est? Comment elle est dans la vie? Tout ça. On veut se le rappeler. Oui, puis moi, je suis venue te voir, Bernard, aussi. Ça faisait partie du plaisir, quand même. Je te dis merci. Mais c'était un plaisir. Puis je m'ennuie de toi. Oui. J'ai vu, d'ailleurs, bon, on le coupera, là. Faut faire un peu d'anecdotes, là. Puis j'ai vu José Deschênes dernièrement qui me rapproche de toi, José, parce que la petite vie, puis on est de la même génération, moi, un peu plus vieux. C'est là qu'on va aller, qu'on a commencé. Comment on a commencé? Ouais. Parce qu'il y a eu Guylaine Tremblay qui est née à Petite-Rivière-Saint-François. Les parents Aline, papa Rénal, ton frère Mario, nombreuses familles, grand-papa, grand-maman et tout ça. Là, je pense c'est une de tes premières photos. Avec mon père. Avec ton beau papa, bonhomme en plus. Il était très beau, il est encore très beau, mon père, ma mère a toujours dit qu'elle avait marié le plus beau gars du village. Pas folle. Pas folle, la fille. Pas folle, puis aussi fin que beau. Tu vois, j'ai entendu ça chez nous aussi. Après 43 ans de mariage. Non, c'est pas vrai. Où est-ce que vous êtes, là? Là, tu vois, on est... Tu t'en souviens? Je te teste aussi. Il y a une rue. Teste, là, c'est pas compliqué. Le village de Petite-Rivière-Saint-François, il y a une rue. La rue principale, je ne vais pas me tromper. Puis la maison chez nous, c'était celle-là. OK. Et puis, tu sais que j'ai repris la même photo... comme 50 ans, 50 avec quelques années plus tard, avec mon père. Même enfant? Puis ma mère. T'étais pas habillée pareil. Non, j'avais pas ce petit casse-là, par exemple, parce que là, j'aurais été moins cute. Qu'est-ce que c'est drôle? J'aurais été moins cute un peu avec mon petit casse. Mais regarde ça. C'est ma grand-mère qui m'avait fait ce kit-là. Ça cousait, là. C'est clair et net, puis c'est fait avec de la peau de chat. Puis ça, tu vois, ça devait être comme au printemps, avant que mon père embarque en bateau. Parce que, tu sais... Mon père, il naviguait quand j'étais petite. Il faisait quoi, six mois ou... Il partait, tu vois, il devait embarquer avril, puis revenait décembre, mars-décembre, quelque chose comme ça. Alors, il y a un nombre incalculable de balances dans ce village-là. Bien sûr. Quand les gars débarquaient de bateau, ça pressait. Ça pressait pas à peu près, écrime. Envoyé à la maison, toi. Oui, puis ça, tu vois, Ma mère m'avait acheté un bateau, elle me disait, c'est le bateau de ton papa. C'est clair et net. Quand j'ai vu cette photo-là, on fait tout de suite, là, hey, fille de marin, c'est quelque chose, tu perdais ton père... six mois de temps. Donc, tu l'espérais. Ah, bien oui. Puis notre père, quand il revenait, c'était Harrison Ford. Là. C'est sûr. L'aventurier. Bien oui. Une fois, il était revenu, je m'en souviens, avec des cornes de morse, parce qu'il avait été naviguer dans les archipels du Nord. Écoute. Tabarouette. Ça porte ça, des cornes de morse. Gossez-moi quelque chose là-dedans. C'était Indiana Jones. Bien, c'est clair. Et net. Pour nous, là, tu sais. Mais à un moment donné, lui et puis ma mère, ils ont pris la décision qu'il arrête de naviguer parce qu'il voulait être avec nous aussi. C'est clair. Tu sais, pour la vie de famille, la navigation, c'est... Il faisait des longs cours ou il faisait juste le fleuve? Il a fait les archipels du Nord. Après, il a fait... Tu sais, il s'est rapproché. Il a fait les Grands Lacs aussi, mais il a fait le fleuve. Puis en dernier, il faisait le fleuve. Donc, on le voyait un petit peu plus souvent. Il prenait-tu en charge des bateaux extérieurs, des bateaux européens? Mon père, là, il a commencé, il a fait les gros bateaux, les barges du gouvernement qui appelaient, mais il a fait les goélettes de bois aussi. Hey, il a embarqué là-dessus à 14 ans. Ça naviguait, ça commençait de bonne heure. Il a navigué sur ces petits bateaux-là. Les dernières goélettes en bois, là... C'était quelque chose d'aviguer le fleuve avec ça. C'était des beaux bateaux fiables. Moi, c'est mon rêve de voir ça. La petite cabine en avant. C'est là, beau. Puis le long pont, là. Les pêcheurs de homards, puis pêcheurs de poissons, ça. Petite fille, t'étais comment, toi? Ça, c'est sûrement primaire, j'ai 10 ans. J'ai des belles palettes. Ah, t'es belle comme tout. Mais tu ne changes pas, Guylaine, j'ai pas le choix de te le dire. Tu ne changes pas beaucoup, vraiment. Écoute. Et t'as l'air tout aussi crasse que cette photo-là. Qu'est-ce qu'elle avait dans la tête, Guylaine, à 10 ans, mettons, là, après l'âge de raison, où là,
tu commences à avoir tes secrets, tes affaires, tes... Je sais que t'aimais la lecture, toi. Ah oui, 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 j'adorais lire. Oui, t'as même plus jeune, fait semblant, tu faisais semblant de lire comme enfant. Ça me fascinait, tu sais. Mais tu sais, là, j'étais bien fière, je m'en souviens, Bernard, parce que c'était ma photo d'école de cinquième année. Puis ma grand-mère m'avait fait un coat, un petit, tu sais, le petit truc rouge que j'ai par-dessus mon jogger d'école. Ouais. On appelait ça en cuir galaxie. OK. Ça brillait. Ça brillait. Tu avais l'air un petit peu futuriste. Mais j'étais bien fru quand j'ai vu ma photo, parce que, gars, j'ai une boucle de défaite. Ah, oui, effectivement. Vois, ça gâchait... moi, je suis faite, ça doit être la mode. Non, c'est ça gâchait mon affaire. Tu t'en fais une belle, puis l'autre est comme... ça gâchait mon affaire. Mais j'étais pas une petite fille... J'étais une petite fille souriante, mais j'étais plutôt... Tu sais, j'étais pas haïssable, tu sais, genre... J'étais calme, mais j'étais... Tu sais, j'étais une petite fille de bonne humeur. Ouais. J'étais de bonne humeur. Et de bonne humeur, puis rêveuse. Oui. Tu partais-tu dans tes affaires? Est-ce que tu, comme... Ou tu quittais la réalité? J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis des fois, je me dis, j'ai été existentielle assez vite. Ouais. Tu sais, quand je me rappelle, à cet âge-là, ou peut-être l'année d'avant, j'avais 8 ans. Ouais, c'est ça, j'avais 8 ans. Puis on revenait de Montréal. J'avais été me promener chez mes oncles à Montréal puis à Longueuil. Mm-hmm. Puis c'était le 8 octobre, puis j'allais avoir 9 ans le lendemain. Mm-hmm. Puis là, j'étais dans l'auto en arrière, puis je regardais les nuages. Puis j'avais dit à mes parents, c'est la dernière fois que je regarde des nuages avec cette forme-là à 8 ans. Là, tu dis, oh, l'adolescence. J'ai entendu ça chez nous. Il y en a une certaine que tu connais, d'ailleurs. Que je connais. Et j'entendais ces réflexions-là. Tu sais. Ça fait des membres UDA. Je ne suis qu'un cerveau. 7 ans et demi. C'est ça. Fait que tu dis... Alors, quand je danse dans mon lit et je pense, je ne suis qu'un cerveau. Je suis qu'un cerveau. Il y a un peu raison. On vit tous à l'intérieur de nous. Mais oui, mais c'est ça. Donc, pas de trouble pour tes parents. Non. Pas rien de... Non. Tu sais, de... Tu sais, une adolescente... De fugue ou de patente rock'n'roll. Non, moi, j'étais une adolescente fatigante dans le sens que... Pas parce que, tu sais, je faisais de la dope et tout ça, c'est que... Je contestais, je posais des questions, je remettais en question tout. Un petit fond de carreau, mais léger. Oui, tu sais, mais j'allais au cégep, tu sais, comme on est. J'avais 2 semaines de cours de philo dans le corps, puis je pensais que je comprenais toute la vie au complet. Bien sûr, là. Oui. Tu sais, j'étais bien fatiguée. Oui. T'étais rendu next level. Oui, j'étais rendu assez loin. T'avais réfléchi. Oui. Mais on dit de toi que tu étais une vieille âme. Oui. Hein? Oui, par exemple. C'est une qualité, ça? Oui, tu sais comment ils appellent ça dans Charlevoix? Un vieux génie. Un vieux génie? Oui, un vieux génie, ça veut dire un enfant qui est mature, qui se pose des questions. Mais j'ai été élevée avec des adultes aussi, il faut dire. Tu sais, ma mère, mon père, ma grand-mère, les frères de ma mère. Oui, forcément. Donc, tu matures plus vite. Puis on avait le temps d'observer nos vieux parents, puis nos grands-parents. T'as raison. D'être influencé. Puis si tu as eu cet amour-là, la confiance, la sécurité chez vous, ça te permettait de flyer puis de donner toutes les permissions. Ouais. Tellement vrai ce que tu dis, parce que tu le sens quand t'es enfant, si t'es accepté puis aimé. C'est ça, oui. Puis ça donne des ailes. Bien, c'est parce que ça enlève les angoisses existentielles. Ce que j'entends aujourd'hui, Guylaine, permettez-moi, les tout-petits à la maison, mais il y a des angoisses. Oui. Ah, c'est fou. Terrible. Et les jeunes, toutes jeunes, ont des stress, des angoisses de... Tu sais, que je vais faire? Dans quelle société je m'en vais? Est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que quelqu'un va me liker? Tout ça, c'est horrible. C'est fou, hein? Puis aussi, tu sais, la performance. Performance, c'est ça. Moi, c'est terrible. D'être quelqu'un, d'être reconnu. Puis tu sais, tu vas prendre des cours de piano. Après, lundi, tu vas prendre des cours de piano. Mardi, soccer. Et mercredi, karaté. Oui, tu vas prendre des cours de peinture. Puis il faudrait que tu apprennes l'espagnol. Oui. À un moment donné, l'enfant... Non. Tu te dis, hey, laissez-le peut-être un peu respirer. Tu sais, moi, en gag, ma plus vieille, c'est des enfants qui allaient à la garderie parce qu'on travaille avec, tu sais, la garderie, c'est une activité après l'autre, tu comprends? Quand ils arrivaient chez nous, à un moment donné, la fin de semaine, c'était, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va faire de la peinture, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, je disais, on fait une dépression. Ah, c'est quoi ça, maman? Ouais, je dis, on fait une dépression. Fait une dépression. On est comme... Va faire une dépression dans ta chambre. C'est ça. Je
je vous donne la permission. Mais oui, parce qu'à un moment donné, tu fais « Hey, wow! Ouais. » Faut vous ennuyer un petit peu, les filles, pour trouver qu'est-ce ou que vous voulez. Ou trafiquez-vous des affaires, inventez-vous des jeux. Ben oui, j'excuse de revenir à ça, parce qu'on n'avait pas ces jeux-là où, bon, on scrolle notre téléphone puis on cherche des bonhommes dans la forêt virtuelle. Non, on en inventait des affaires, puis des jeux, puis des... Et on se voyait, puis bon... Là, la cour, la réunion de gang se fait sur Facebook, se fait sur les réseaux, puis c'est ça, ça t'isole un peu. Mais bon, là n'était pas ma question. Non. Moi, je vais retourner. Après ça, toi, bon, secondaire, ça a bien été, t'es studieuse. Oui. T'as pas sauté, t'as pas doublé de classe, t'as pas sauté de classe, t'as fait ça. Non, mais j'ai sauté une classe, c'est sûr. C'est-à-dire, j'ai commencé la première année à 5 ans. Oui. Parce que je savais lire puis je savais écrire, fait qu'on me dit, bien là... T'as pas fait de maternelle, déjà? Non, bien, il y en avait pas, ça donnait bien. Il y en avait pas. Mais ils ont dit assez lire, assez écrire. Ouais. Fait que, go. Go à 5 ans. Puis j'ai pas fait, comme tout le monde, ma 7e année. Ce qui fait que je suis arrivée jeune au cégep. Mm-hmm. Je suis arrivée à... j'ai eu 16 ans en octobre. Et puis, je voyais aussi que t'es rentrée au conservatoire à 19 ans. Une chance d'être une vieille âme, parce que 19 ans, c'est jeune. Hein? Quand c'est un peu repense, jeune. T'as pas de vécu, t'as pas c'est rien. Vrai, Bernard, quand j'y repense, maintenant, c'était petit pour entrer dans une école de théâtre. Trop jeune. Mais j'avais un bon groupe. Ouais. J'avais une belle gang avec moi, donc ça... Puis t'étais un vieux génie, alors ça rentrait au poste. J'étais tellement contente. Oui. De rentrer en plus, tu sais, quand t'as la sensation que t'es arrivé, où c'est que tu devais arriver, j'étais vraiment contente. Ah, t'as tout à fait raison. Tu fais, oh boy, on m'a dit exactement où est-ce que je voulais. C'est comme ton père, tu veux être pilote d'avion, puis ils disent oui, correct, que tu viens-t'en, on t'accepte dans la classe et tu vas être pilote d'avion, puis tu vas le devenir. C'est formidable. Le rêve est déjà sur le plateau, là, tu sais. Moi, moi, j'aimais tout. Tout, c'est comme une éponge. J'avais la quétaine, j'avais du clown. Là. Quand je faisais rien, je jonglais, puis je faisais de l'unicycle, tu sais, mais ni de clown, j'essayais tout. On peut pas dire qu'on n'était pas enthousiaste. Non, on faisait des bruits, on faisait tout ça d'affaires. Mais regarde ce que tu fais aujourd'hui, regarde si on refait ton cheminement. Tu as touché à tout, Guylaine, tout. Oui, quand même. Je reviendrai tantôt, mais tes premières jobs, toi, ça a été quoi comme comédienne? Non, avant les comédiennes, tes premiers boulots, toi, j'en ai fait mille et un. Ben oui, caissière dans une épicerie, travailler dans un magasin de vêtements. J'ai été blencheuse de peanuts, ça, c'est un peu moins classique. Blencheuse de peanuts? Tu parles ça à peanuts? Il y a des peanuts qui passaient comme sur une strappe d'épicerie, puis t'enlevais les pas bonnes. Grosse... ça, j'avais hâte de retourner à l'école. Tu pourrais faire l'annonce de fromage connu, tu sais. Tu pourrais faire exactement la même affaire. Cette crotte n'est pas couch-couch. Celle-là n'est pas squitch-quitch. On va te plugger. Est-ce qu'on peut envoyer ça, d'ailleurs, à Kraft, s'il vous plaît? toutes les petites jobines pour gagner ta vie, ben payer oui. tes affaires parce que tu es indépendante. Bien, c'est le fun de dire je ne demande pas tout le temps de l'argent à mes parents. Non. En tout cas, pour moi, c'était bien important. Uh-huh. Puis je me disais, tu sais, ça, c'est moi. Fait que je décide de m'acheter ça. Mm-hmm. C'est ma responsabilité. Puis je vais aller le chercher, tu sais. Puis t'as-tu acheté un char, une voiture? Étais-tu comme tellement ça, toi, pas, Bernard. T'étais pas là? Non, moi, j'étais pas là t'as dans pas ma besoin, tête. T'étais à Québec, en fait, oui, mais c'était pas l'époque. Moi, j'étais à l'époque, tu sais, j'étais plus granola. Oui, et puis? Tu sais, fait que pas d'auto, tu sais, un appart avec plein de colocs. Oui, l'auberge espagnole. Ouais, moi, j'ai eu ma première auto parce que je déménageais à Montréal puis que j'avais eu un théâtre d'été avec Marcel Leboeuf, à Kingsley. À Kingsley, tu n'avais pas le choix. Le métro pour aller à Kingsley, j'ai dit, je me suis acheté une auto que j'ai dû payer 825 $. Mm-hmm. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'elle tenait. Hey, 825 $ une auto aujourd'hui, oublie ça. T'sais. Oh, Colin! Donc, tu as fait tes petits boulots et tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait faut que j'aille dans une école de théâtre pour nourrir la bébite en moi. Mais elle est venue d'où, ta bébite? Quand est-ce que tu as fait? Étais-tu petite fille ou ça a fait? Oui, je serai comédienne. Ah oui, petite fille. Tu as vu le théâtre Alcan? Les Beaux Dimanches? Bien oui, les Beaux Dimanches. Oui. Tu sais, moi, je viens pas d'un milieu où on consommait de la culture. Là. OK, c'était plus. C'était par la télé que ça rentrait. T'sais, on n'achetait pas des billets pour aller voir des shows. Dans ma famille, non, c'était pas ça. Mais tout nous arrivait par la télé. Puis comme il y avait une télé par maison dans ce temps-là... Ben, tout le monde, écoutait la même affaire. Puis les Beaux Dimanches, je me souviens, là, Bernard, j'avais 5 ans. Mm-hmm.
je comprenais pas trop ce qui se passait, mm-hmm. là. Mais tu sais, il y avait le rideau en velours ouais. rouge, puis les coups, les 12 coups de théâtre, puis tout ouais. ça. Puis la musique pis, splendide. Ça me donnait des frissons. Ouais. Je me disais, waouh! Ouais. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. En tout cas, déjà, mm-hmm. la petite fille en moi était. Puis après ça, ben, j'écoutais les téléthéâtres au beau dimanche. Mm-hmm. Puis il est arrivé, tu te souviendras, en pièces détachées. Absolument. C'est là, ça a fait clau. Pour nous tous. Nous tous, on a fait, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est comme, à la télé, les séries Black Mirror. Là. Tu sais, tu passes ailleurs complètement. Ouais. Ouais. Tu fais une référence télévisuelle, mais ouais. tu fais oh, 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 oh. Viens. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Il y a des madames à télé ouais. qui parlent comme nos mères, nos grand-mères, ouais. nos soeurs, nos cousines. Puis ça se peut. Ouais. Puis c'est un fou bon. Gay avec des lunettes oui. qui raconte ces histoires-là avec mes lunettes, j'ai tout eu pouvoir. Ah oh, oui! Hein, un gay, acteur. Marcel, comment il s'appelait? Gay. Non. J'ai Guy Gay dans la tête. Non, genre c'est... gay. Voyons, dit, on est dans le trouver, nous le mettre à la bas de l'écran. Oui. Allez sur Claude le site. Gay. Claude Gay. Claude Gay, bon. Avec mes lunettes, j'ai tout eu pouvoir. T'en souviens-tu, dans le cours d'école le lendemain? Oui. Tous les enfants faisaient... Avec mes lunettes. Avec mes lunettes, personne ne me voit. Personne ne me voit. J'ai tous les pouvoirs. On était toutes... Non, mais... Tu peux t'imaginer un auteur, Michel Tremblay, qui passe là, qui passait à la télé, en ouais, plus. C'était, ouais. c'était exceptionnel, pardon. Puis moi, là, candidement, j'ai regardé ça, puis je disais, l'auteur, il a le même nom de famille que moi. Eh bien oui, je voulais ça y veut dire que... oui. Ça veut ça dire que... Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut peut-être. Ouais. Ça a ouais. changé la vie de bien du monde. Hein. Tellement, tellement. Ouais. On ouais. pourrait faire des heures et des heures de rencontres. Ouais. Et avoir des anecdotes, pas de gens de notre milieu, là, des gens qui ont allé, sont allés au théâtre, qui se sont vus, ouais. puis qui ont vu leur mari, oui. qui ont vu leur mère, puis qui ont vu leur frère, puis leur soeur, puis leur tante, puis toute la... Ils sont reconnus. Ouais. C'est important, tu sais. Il faut voir le vrai monde pour comprendre. Eh, mon Dieu, hein, oui. Tu l'as joué ben et tout oui, ça. Ben oui, ben... Une pièce de Tremblay qu'il faut voir pour comprendre l'univers de Tremblay, ouais. tu sais, le théâtre dans le théâtre. Hein? C'est qu'il nous a permis, lui, tu sais, aussi de dire, hey, on est assez important pour être des personnages de théâtre. Absolument. Alors, oui, on a déjà notre mythologie ouais. existe, et puis notre réalité est là, collée sur notre ouais. histoire, puis d'où on vient, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est beau, hein? C'est beau, 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 beau. C'est géant, hein, ce qu'il a fait. Ah. C'est géant, géant, géant. Incroyable. Puis. On le dira jamais, on le dira jamais. Et d'ailleurs, tu l'as joué Tremblay formidablement et tu le rejoues, non? Ou tu vas-tu le rejouer? Non, mais non, jouerais pas, tu le rejouerais. Tout de lui. C'est pareil pour moi. Je fais, appelez-moi. Quel acteur veut pas jouer du Tremblay? Je sais pas. Pas facile à dire, toujours? Hey, non, les gens pensent que c'est facile à dire parce pas que... Pas facile. Cette langue, mais c'est... Ouais. Non. Il y a ces exigences hein, dans cette langue-là. Oui, oui. Complètement, je trouve. Je vais faire un saut tout... Parce que, bon, oui, si on part de tes premiers shows de théâtre, puis tu pourrais... C'était quoi ton premier show professionnel? Ta première... Monogamie. Oh. De Claude ouais. Meunier et Louis Saillat. Ah! C'est-tu drôle? Et c'est-tu une comédie? Oui, ouais. C'était une comédie. Ça avait été joué à Montréal l'année d'avant. Là, ouais. il a le joué à Québec. Mm-hmm. Avec la gang de la Bordée. Oui. Pierrette Robitaille, Ginette Guay, Jean-Jacques Imitet, mm-hmm. Jacques Girard. Pierrette Robitaille, je me souviens pas pourquoi, peut plus faire le show. Mm-hmm. Alors, ils se disent, bien, tant qu'à la remplacer, on va aller chercher une petite fille qui sort de l'école. Alors, moi, au mois de mai, je savais déjà qu'en septembre, oh là j'allais là. Travailler Quel cadeau. À la Bordée oh avec mes bois. Idoles, ben en oui. plus. Ouais. Donc, j'étais aux anges. Uh-huh. J'étais vraiment aux anges. Puis, je pouvais pas m'imaginer que Louis Saillat et Claude Meunier allaient tontir mm-hmm. des années plus tard dans ma vie. Avec un show que nous avons partagé. Oui, qu'on connaît bien. C'est ben, ça, oui. avec la petite vie. Oui. Mais c'est ça, la vie, hein? Ouais, ça nous amène. C'est tellement fou. C'est tellement fou ce qu'on découvre ouais. après en faisant ce métier-là, ce qui appartient au passé, aux réflexions qu'on ouais. a eues, aux rencontres aussi qu'on a, puis on voit du monde. Il y a une belle roue qui tourne. Hey, tellement. Et il faut qu'elle continue à tourner, puis on ne sait pas ce qui s'en vient. C'est ça qui est formidable. Mais moi, j'aime ça. On demain. S'en parlait tantôt parce que. Comme tous les comédiens, on a des périodes où, bon, on fait pas grand-chose, là. On tente deux tournages, deux séries. Les gens ont l'impression qu'on travaille 24 ben heures non, par jour, ben 7 ben jours ben par ben semaine. Ben il y a des périodes d'accalmie, toi. Oui. COVID-wise, ça... Ah, ben oui, parce que, écoute, moi, j'ai, tu sais, mettons, 20 dernières années, j'ai tourné beaucoup, beaucoup. J'étais dans des séries, puis tout ça. Mais moi, Bernard, personne croit ça, mais la dernière fois que j'ai tourné une fiction, c'est en novembre 2019.
dans tout cas, on parle à TVA. De deux ans et demi. C'est ça. Ouais. Donc, tu sais, je ne suis pas rentrée dans aucune continuité. Série parce que je devais jouer un solo au théâtre en mars 2020. Ouais. Je me disais, je ne peux pas tourner. Non. De 6 heures le matin, puis aller jouer un show 1h45. Non. Donc, mais le show est arrivé une pandémie qui a fait que le show... Il est remis à dans deux ans. Je l'ai rejoué au printemps, mais là, je ne pouvais pas plus tourner parce que je me disais, ben non, je ne peux pas. Donc, ça a fait que, OK, ça, pour l'instant, ça ne fait pas partie de ma vie, mais ça a laissé place à d'autres choses. C'est sûr que ça fait, puis il faut tout le monde a son histoire là-dedans. Oui. Moi, j'étais un peu tanné d'entendre parler de renouveau, puis comment tu t'en refais, puis que ça, bien, on n'avait pas le choix. Puis chacun a son histoire. Oui. Ça va faire des beaux films, des beaux livres, des beaux romans, des belles séries, très, à un moment donné, sans nous ramener à la COVID, mais juste à des histoires de gens qui... Ouais, ben tu sais, la COVID... sont flippés une vie. Oui, tu sais, la pandémie, ça... tu sais, c'est pas vrai que ça nous a pas changé. À des degrés différents, ça a changé tout le monde. Tout le monde, oui. Tout le monde, parce que, tu sais, on est d'une génération qu'on oublie qu'il y a des catastrophes qui peuvent arriver, que tu comprends, tout se règle, il y a toujours des solutions, on pèse sur un bouton, puis on a des réponses qui arrivent. Mais tout à coup, il arrive ça, là. Ouais. Puis là, tu fais, c'est une autre game. C'est une autre affaire, puis je dois m'incliner puis accepter. Puis ça, tu sais, moi, le monde, quand il me disait, hey, qu'est-ce que ça fait d'avoir annulé votre show? Mais j'ai dit, voyons, on est dans une pandémie mondiale. Ah oui. Pensez-vous que je vais faire, vous n'avez pas le droit de faire ça. On annule, go, puis on arrête. Mais oui. Puis on aide. On peut aider? On peut avancer là-dedans? Absolument. Comment on peut... Avançons, puis serrons-nous les coudes. Absolument. Tu parles des choses importantes dans ta vie. Je pense qu'on va peut-être aller à la même place, t'sais. Je n'ai pas besoin de passer ta carrière puis tes nombreux prix et les nombreux projets de cinéma, de télé, de théâtre que tu as fait, d'émissions pour enfants. Mais après ça, tu as fait l'animation aussi. Ouais, à quoi tu n'as pas touché? Tu n'as pas joué au violon? Tu n'as pas joué à la flûte traversière ou faire du gumboots? Oh, tu m'as fait sûrement du gumboots. Ben je sais. Oui, je pense que j'ai déjà fait ça dans un number. Mais moi, j'ai pas encore fait ça. Ben, moi, c'est pareil. Vas-tu apprendre la clarinette la prochaine fois? Tant qu'on n'est pas mort. Moi, c'est oui. Mais oui, tant qu'on n'est pas mort, on peut tout faire. Eh bien, voilà, on peut apprendre. Non. Moi, l'âge, moi, ça n'a pas d'importance pour tout. Moi. Pas je suis curieux et tout ça. Oui. Mais ce qui est important pour toi, je pense, c'est ta famille, c'est tes enfants. Ça, c'est au-dessus de tout, là. Tes filles, garde ça. J'adore cette photo-là. Elles sont toutes jeunes, elles sont plus jeunes. Oui, elles sont plus jeunes. Ça doit faire 4 ans, tout ça, à peu près. J'aime la maman qui veille derrière. Ils sont dans le sauna ou je sais pas quoi. Pas dans le sauna, mais dans le spa. C'est-tu où est-ce qu'on était? On était à Sakakomi. Ah, je connais Sakakomi. Ben oui, puis on se faisait un gros trip de filles. L'hiver? Oui. Ah, quel bonheur. C'était incroyable. Marie-Ange et Juliane. Oui. Puis ça, c'est ma face en arrière de fierté. De fierté. Non, mais je vois. Et d'amour. Ça fait penser à ma blonde aussi, avec les enfants. Et là, à check, et là, de l'amour est là, mon bonheur est là. Tout peut s'arrêter. C'est exactement ça. Tu sais, tu es en pleine étude, là. Tu dis, gars, mes poussins sont là. Moi, je fais. La vie peut s'arrêter là, mes amis. Non, je veux pas, en réalité. Non. Je vais pas jusque-là, mais je fais, oh là là. Que c'est beau. C'est beau. Que c'est beau. C'est plein. Puis ça, c'est plus que le métier, plus... Dieu, mon Dieu, c'est incomparable. Plus que ton chum, plus C'est incomparable. Quasiment plus que tes parents. Oui, mais c'est parce que... Je veux pas le dire. Non, mais tes parents, c'est autre chose. Oui. Ils sentent ça pour toi. Oui. Tu sais, mais t'es responsable depuis toujours de ces petits êtres-là. Alors, c'est une relation inexplicable, inconditionnelle. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Puis tu sais, moi, je les ai désirées, ces petites filles-là, parce que, tu sais, moi, ça a été long. J'ai pas, tu sais, moi, l'enfant biologique, c'était un gros un parcours deuil. Très difficile. Oui, absolument. Dur? Oui. Tough? Oui, très dur, beaucoup. Parce que, tu sais, moi, j'étais une fille, dans ma tête, pétante de santé, tout ça. Je me disais, dans ma famille, il n'y a jamais personne, dans mes cousines ou tout ça, qui ont eu de la misère à avoir des enfants. Moi, qu'est-ce que tu veux? Ça fonctionnait pas. Mm-hmm. Mais comme je suis une fille qui s'adapte, moi, je ne boque pas longtemps. Dans le sens que je vis ma peine, là, profondément, j'ai eu de la peine. J'ai pleuré. Puis c'est pas juste, puis je me roule à terre, puis pourquoi ça ne marche pas? Puis à un moment donné, je fais, OK, c'est assez. C'est assez.
moi, je veux être mère. Il y a d'autres façons de devenir mère. Qu'est-ce que tu veux le plus, Glenn? Avoir un enfant biologique ou avoir un enfant? Mm-hmm. Élever un enfant. Tu sais, quand on dit élever un enfant, c'est de le prendre. Oui, de le prendre. Puis c'est une mission à vie. C'est ça. Alors, tu sais, très vite, la réponse est venue que c'était élever un enfant. Puis je dis toujours que le père avec qui je suis plus depuis de nombreuses années, mais que j'aime encore, puis qui est un grand ami pour moi, a été merveilleux parce qu'il me dit, « Hey, Glenn, pas de problème. Tu veux qu'on adopte? Go, je suis prêt. » Wow. Il a ouvert la porte là, oui, à ton désir. Oui, il y en a qui ne veulent pas. On est deux là-dedans. C'est ça. Mais lui, absolument. Puis regarde les merveilles que j'ai. Ils sont formidables. On pourrait montrer 1000 photos, mais aller sur Instagram. On n'est pas là pour sommer. Qui t'a donné cette force-là? Qui t'a donné ce... Parce que t'es équilibré, Guylaine. Ce que je connais de toi, c'est what you see is what you get. C'est une fille équilibrée. Ouais. On en est aux bébêtes, nos jardins secrets, puis sûrement que tu me raconterais des affaires où t'as pas l'air équilibré. Pas en tout, oui, t'as l'air d'avoir piqué une crise. T'sais, on a toutes nos angoisses, on a toutes nos affaires, nos petits défauts, mais ça doit être à cause de elle. De, bien, c'est sûr que tes enfants... D'elle et de celle-là qui s'en vient aussi. Gardez bien. Tu vas avoir une autre photo, qui va être là. Une photo de... Quoi? Dieu, ma Colette! Mais c'était plus ta mère que je pensais que t'étais pour arriver. Bien, ma mère, ma mère, pas de brushing. Mais ça, oui, ta Colette, c'est sûr qu'elle est importante pour toi et qu'elle te donne de l'affection, elle te donne de l'amour. C'est ça que je voulais. C'est mon erreur. Ben, gars, c'est, notre, c'est elle, ta, c'est oui, elle, ton, c'est notre ta colonne vertébrale, si vous ben, êtes pareil. Ben oui, c'est tout. Êtes-vous jumelles, toi, ma ta mère? Ma famille, écoute, bien, on se ressemble pas mal, hein, regarde. C'est-tu malade, ça, ben, maman raccoon puis bébé raccoon? Ben oui, bien, ça, c'est notre sens de la dérision. Bien, clairement. Ça, c'était un matin où on se préparait pour le gala artiste. Ouais. T'sais, c'est toujours, tu te fais toujours la question, comment vous préparez-vous pour le gala artiste? Moi, je vais te le montrer, moi. Oui, c'est ça. Alors, on s'était mis de la patch, puis j'ai dit, on va prendre une photo, c'est trop mais drôle. Ça, on est ridicule. Non, mais c'est formidable. Ça, je trouve ça bien, bien beau. Ça me rappelle aussi des bonnes relations mère-fille que j'adore voir. Oui, puis il ne faut pas se prendre au sérieux. Jamais. Il faut être bien ensemble, puis rire. Pis... Mm. Ma mère, c'est une personne qui aime la joie. Mm-hmm. Elle, quand il y a du monde, quand elle est avec nous, c'est ça, quand on parle, quand on chante, ça, être heureux. Ah, bien, tu vois, elle t'a donné ça, tu as hérité d'elle, puis c'est tellement important. Ouais. Ça vient de quelqu'un, hein, cette confiance-là. Ah, ben oui, cette solidité-là. Ouais. Bon, tu bois-tu de l'alcool? Aimes-tu boire un petit peu? C'est pas marrant. Un petit verre de quelque chose. Un petit drink, un petit verre de drink. Un petit verre de drink, comme ils disent. Un petit verre de drink. Avec ta Colette. Oh, Colette, écoute. Ouais. Colette est barbie. Et puis, si on regarde son œil, là, c'est ton œil, Guylaine. Je te connais. Cet œil perçant, là, c'est tellement toi, ça. Écoute, l'autre fois, il y a une de mes amies qui dit, « Ben, te ressemble. » Nos chiens nous ressemblent tout le temps. Alors, je te présente Mike. Salut, Mike. T'as un t-shirt avec ma face. Ben voyons donc. J'aime ça à chaque fois, la réaction. Mais c'est donc bien drôle, ça. Ça, c'est Mike, ça. Ça, c'est... Ben, il t'a en toi. Il pouvait pas se faire tatouer toi parce qu'il n'y a plus de place sur le chest, il y a trop de poils. Un t-shirt, c'est bien en masse. Mais il t'apporte ton petit... je pense que t'aimes un petit blanc, toi. Oui. On n'a pas compliqué les choses. Hein. Oui, moi, j'aime le vin blanc. Un petit vin blanc, c'est tout. Même... Toi, t'aimes-tu ça, le vin blanc? J'aime le vin blanc. Moi, je suis bière. Tu sais, j'aurais pris une tremblée. Moi, je suis pas bière. C'est vrai, il y en a de la tremblée. Ben oui, puis tu devrais être porte-parole. Pourquoi ils t'appellent pas Tremblay? Moi, je m'appelais. Faire une voix, là. T'as fait Harvey's avec moi? T'étais la voix officielle de Harvey's. Mon Dieu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein? Alors, Mike, merci beaucoup. C'est trop gentil. J'adore ton T-shirt. Ah, et tu savais, c'est un bon gars aussi. Il parle pas. Il parle pas. Il parle pas, il est parfait. Alors, on se fait un chin? Bien, certain, on peut-tu? Oh, certain qu'on se fait un chin là. Mike. Merci. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce? Un concept. On est très concept ici. Ben oui, Ça, belle Guylaine, merci pour ce petit 15 secondes avec toi, là, petit regard, petite discussion légère. Oui.
Là, là-dedans, tu as des accessoires. Oui. Peux-tu regarder? Tu peux sortir ce que tu veux. C'est en relation avec toi. Ça, ici, oh, télécommande. Oui. Ça, c'est pour activer quelque chose. Si tu, si tu appuies vers la caméra ici, tu vas avoir quelque chose, sur une le vidéo. Bouton. Ouais. C'est, ah, hey, salut, maman. C'est moi. C'est ton fils, maman. Hey, Guilou, je voulais prendre un petit moment là, pour te dire quelque chose. Puis là, je sais ce que tu vas dire. Là, tu vas te dire, voyons, t'es venu chez nous hier, maudit niaiseux. Pourquoi tu me l'as pas dit là? Non, mais c'est parce que hier on n'a pas eu le temps là, de se parler parce que j'étais avec mon bébé, puis t'étais avec ton chien. Fait que notre discussion, c'était plus comme ouais, c'était un peu bizarre. Fait que je voulais juste prendre le temps de te dire que je t'aime, Guilou. Je le sais que tu le sais, mais je pense que tu sais pas à quel point je t'aime. Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. T'es quelqu'un qui m'inspire énormément, autant dans ce métier-là que dans la vie. Je le sais, tu le sais. À cette heure, Drummondville au complet le sait. Je t'aime vraiment beaucoup. Merci d'être là pour moi. Merci pour ta générosité du Christ. Merci pour ton humanité du Christ. Je t'aime. Merci d'être l'être humain que tu es. Voilà. Mon beau Michel. Hey, ça me touche tellement. Tu es un homme formidable, ça. On l'aime-tu, ce Michel-là? Lui, et sa Léane. Tu peux remettre ça dans la cacane. Mais c'est vrai que je les ai vus. Oui, tu es allé à Boucherville? Non, ils sont venus chez nous. Ah oui, ça va bien. Ça se passe avec une conversation comme ça. Merveilleux bébé, leur merveilleux bébé. Milo d'amour. Oh. Tu connais ces petits-là. Ah, c'est extraordinaire, puis je les aime. Oui. Je les aime vraiment. Puis Michel, je ne le connaissais pas du tout avant de tourner avec lui. Oui. Dans tout cas, puis c'est une amitié, un amour qui va rester toute la vie. Un ami, un partner de travail. C'est simple et c'est simple. Ce garçon est formidable. Et sa petite épouse, la Léane Labrèche, tu comprends? Si vous les haïssez, vous n'êtes pas normal. Non, ça va pas. Vous êtes non vacciné. Oh, excusez-moi! Je voulais pas aller là! Excusez! Elle est très bonne, par exemple. Ben oui, mais c'était ça, ta barouette. Ah oui, il faut y aller dans ta cacane, il y a une autre affaire. C'est des niaiseries, hein. Ça paraît que... Qu'est-ce qui te fait rire de plus? C'est quelqu'un qui tombe. Pitch-là, peut-être que Mike va s'enfarger à un moment donné. Pas sur mon écran! Ah, pas sur ton écran! Mon écran! Fait... OK, mais j'ai pas de bisous. Tiens, Mike, tu t'as fait enfarger dedans. Pow! Pow! Regarde, tu vois, c'est quelqu'un fait. Quelqu'un qui tombe. Ah, mon anecdote, Dieu. Anecdote. T'as une autre affaire, je pense. Ah ouais, attends une minute. Tu m'en as parlé tantôt, mais je veux en savoir un peu plus. C'est quoi? T'étais Peace and Love. Peace and Love. Oui, tu t'habillais Peace and Love. Oui, j'avais des jupes circulaires, poncho. Des sabots en... Oui, sabots ou, tu sais, sandales, lanières de cuir, le grand cheveu long, tout ça. Oui. Patchouli. Non, pas moi, pas Patchouli. T'as bien fait parce que ça puait, non, ça. Non, c'est ça. Ça avait sa limite. Ça marchait pas. Mais je te dirais que j'étais hippie, mais je dansais disco en cachette dans ma chambre. Oui, il paraît que t'imitais Pierre Purple. Ça, c'est quand j'étais petite, oui. Mais il twistait, lui, non? Mon meilleur chum, il dansait comme Pierre Purple. Pour les gens plus vieux, là, Pierre Purple, c'était comme notre James Brown. Ouais. C'est pas de la drogue pour les plus jeunes, hein? Purple, on pourrait dire du light purple chez Alex. Il glissait. Oui, attention. Oui, il slidait. Ah! Il slidait. Ouais. Beau bonhomme. Beau bonhomme. Certes, regarde, on se parle entre nous, on s'excuse. Certaines générations nous suivent. Les autres, vous irez sur Internet, Google, Internet, Instagram. Google. Allez, c'est Google, puis Instagram, Facebook. Y a-tu d'autres choses? Non, t'as des petites questions rapides, là. Regarde, enlève le pipic, mets ça dans quelqu'un. C'est des petites questions rapides. OK. Que je te pose ou que non, tu que tu te poses parce que je voulais pas toucher les papiers. Attends, pas de chance. Alors, ce qui te tombe sur les nerfs... Tu sais, c'est le classique que les gens veulent savoir, je m'excuse. Ce qui me tombe sur les nerfs... Ça revient à ce qu'on se disait tantôt. En auto, les gens impatients. Oui. Tu sais, là, je peux pas passer. Je ne peux pas écraser la madame pour que toi, tu passes plus vite. Non. Je ne peux pas frapper l'autre tour qu'elle avance. Non, c'est ça. Ça me tombe, c'est là, entre autres. Mais si je réfléchissais, il y a même une autre chose. Mais c'est ça. Ça ici, OK. T'avais-tu besoin sur une île déserte, tu amènes qui avec toi? Ça, c'est chien. Parce que... Je sais bien. Tu veux amener toute ta gang. Ouais. Tu ne peux pas amener juste une personne. Qui au pluriel?
Y a-tu un S après qui? Non. C'était-tu Keys? Si c'est Keys. C'est Keys, oui. Si c'est Keys, c'est parfait. Q-U-I-S. Les enfants, mon chum, ma famille. Une couple de chums. Ben oui. Ben admettons. Une personne. Admettons. C'est pas possible. Écoute, je peux pas te dire ça. Parce que tu te commettrais. Mais admettons une personne sans tes enfants. Mettons, t'as pas de famille et tout ça, puis il y a une personne sur la Terre que tu fais, j'ai pas le choix de vivre avec sur l'île déserte toute ma vie, c'est ça qui? Ben mon chum. C'est ton chum. Ah, ben oui. OK, ben oui. Mais je te dis, c'est une question impossible. Ouais. C'est impossible. Impossible. C'est impossible, je sais. C'est impossible. C'est impossible. Ici, tout est impossible. Et puis on essaie que ce soit possible. Seul le pauvre. Mais je tricherais, tu sais, j'en cacherais dans mes valises. Ah oui, t'en caches une coupe dans les valises. Ton expression favorite. Ça, t'as pas eu le temps d'y penser. Ton expression favorite. Sac-tu, toi? Oui, on sac tous. J'aime bien. Comment je dis ça des fois, mon chum, il me dit. Ah oui, je dis. Je dormirai à terre. Ah! Des fois. Ah oui? Tu sais, mettons, t'es à bout. Oui, je dormirai à terre. Je dormirai à terre. Ça, c'est tellement fatigué. Bien, des fois, c'est excédé aussi. Ouais. Tu sais, mettons, tu fais. Ouf! La plug. Ouais. Je tirerai la plug, mais moi, je dis. Oh, mm-hmm. Je dormirai à terre. Tu sais, c'est ça. Oui, moi, mais, je dis. Puis, ouais. Des fois, je sac. Oui, on sac. On sac dans notre métier. Je suis obligée de dire, je suis honnête, moi. On a travaillé avec Filiatro. Filiatro m'a tout montré. Tout le monde sac, ouais. Puis ils ne disent pas. Non. Moi, je suis honnête, bien oui. Oui, je sac. Puis ça n'a aucune connotation religieuse. Non, là. Ça rien je à ne voir. Veux offenser personne. C'est un son, c'est un bruit. De toute façon, on n'allait pas à l'église, on ne sait pas c'est quoi. Non, 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 c'est pas pour offenser aucun chrétien de la terre. Mais j'ai essayé d'autres, moi. Flûte, tu sais. Ah! Flûte! Ça marche pas. Non. Tu sais, ça, non, ça a l'air, ça marche. Ça a l'air d'une gastro, qu'est-ce que tu viens de faire? Un sirop! Non, un sirop! Ça marche pas. Non, ça marche alors, pas. Ça marche pas. Tu finis ces questions-là? Ouais, non, une folie que tu aimes faire. Ouais, excuse-moi. Une folie. Bien, c'est pas tellement une grosse folie, mais j'aime manger au lit. Ben oui, mais ça, c'est sûr. Okay. J'aime ça. T'as-tu une télé dans ta chambre? Ben tu oui. As le droit de le dire. Ouais, ouais, c'est correct, on a le droit. Ben j'aime oui. Ça. Ben, c'est parce que c'est un refuge, des fois. T'apportes ton petit plateau. Oui, là, j'aime ça. Et beaucoup de gens, ils mangent devant la télé. Non. Pas, mais ils ont leur place, ils s'installent. En général, c'est des célibataires là, ou du monde en retraite là, oui. Qui n'ont plus rien à cirer. Mais faut que tu sois. Moi, faut que tu sois toute seule. Là. Ouais. Mettons, oui. Mettons, j'en ai pas seul, là, ouais. Tout ça. Là, game d'hockey. À télé. Là, maintenant, on a la question des jardins. Ça, c'est toi qui vas en prendre. Oui, pose-toi. C'est quelqu'un, tu pourras nommer, de notre partenaire des jardins qui te pose une question particulière. OK, alors c'est Nancy Hébert, qui est membre des jardins depuis Belle Lurette, qui me demande ton animal totem. Mm-hmm. Ça veut-tu dire qu'il a fallu choisir d'un Jeannette? Oui, mais moi, j'ai de la misère. Mais tu sais, c'est un castor, mélange deux animaux, mettons. Ben moi, je dirais... Ben ça prend un animal et un qualificatif. Un aigle bienveillant, une poule... Non, un chien curieux. Ah, chien curieux. Ça marche-tu, ouais, ce chien curieux? Oui, ça marche très. Est-ce qu'elle marche, Chantal? Elle dit que on va te le gosser, on va te le faire. Quand tu vas revenir, on va t'avoir un chien curieux. Oui, un chien curieux. C'est ça. C'est bon, c'était parfait. Ça. Maintenant, revenons à ta réalité. Je t'ai pas dit en terminant, mais j'ai pas le goût de terminer avec toi parce que ça fait longtemps que je t'ai vu. Oui, on aurait plein d'affaires. Ouais, puis il y a des affaires que je savais pas sur toi, qu'on s'était jamais parlé en coulisses ou sur la petite vie ou chez les 100 watts. C'est ça, on n'a pas le temps. Mon Dieu, c'est jusqu'au 100 watts. Oh, on était tout petit, il faut juste le dire. On était tout. T'es haut de même. Oui. T'es tout petit. On faisait des sketchs. Quelle école? Eleni 100 watts pour moi. Ouais, ouais. La première fois qu'on jouait devant des caméras. Oui. Tu sais, on était comme. Et 12 sketchs par jour. Souviens-toi, 12, 15, change la perruque, mets des dents, amène des dents. Qu'est-ce qu'on a ri? Et tu sais, il faut faire du name-dropping, je m'excuse, mais Benoît Brière, Luc Guérin, Claude Legault, Jean-Guy Bouchard, Sylvie-Marie Gagnon, Sylvie Potvin. Écoute, on y a une couple de noms que... On riait. Pas connu ni d'Ève ni d'Adam là. En tout. Et commençait les premiers balbutiements. Ouais, ouais. Mais c'était une école formidable, par exemple. Extraordinaire. Hey, je vois Claude Legault nerveux, là, tu sais, puis je vois des personnages un petit peu fuckés tout le temps. C'est un peu toujours le même personnage. On faisait des ados, puis ils nous collaient des boutons. Des boutons, et ils étaient du gruau. Qui collait, puis ils mettaient du maquillage par-dessus. Claude avait l'air épouvantable. Ouais. Il était un peu gêné à l'époque.
ils gardent ce que Claude garde. Ouais. C'est pour ça que moi, quand ils me disent, ah, Claude Legault, le sexe symbole, j'ai, moi, j'ai connu Léon Labine. Oui. Claude, il pouvait faire les plus horribles personnages qui mangent leur crotte de nez. Ah, oh, mon Dieu! Il était épouvantable. Et là, c'est rendu un sexe symbole. Ouais. Puis maintenant, il vieillit, là, pour m'excuse. Puis, ça, puis tu, ils vont le remplacer, puis, m'en donner par là, un il s'en autre, vient là. Plus sur le bord de Léon Labine. Oh non, non. Génial, c'est mon ami, je l'aime, puis il est encore beau. Mais ouais. Écoute, on était des petits culs, là. Vraiment des petits culs, là. Des petits culs, puis là... Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, t'as réussi à tout faire ça à partir de rien, et puis tu le savais pas comment, tu ne savais pas pourquoi à l'époque, mais tu t'es rendu, t'es rendu là. Et t'es rendu à t'approprier les textes de chansons de Yvon Deschamps, parce que c'est juste les textes de chansons, Oui, c'est ça, moi je touche pas à ces monologues. Tu fais des liens peut-être dedans? Oui, moi je vais parler de moi, de moments charnières de ma vie, puis d'une certaine manière, de moments charnières de notre vie à tous, parce que lui, il nous a tellement guidés, appris plein d'affaires, tu sais. Matrice. Ben oui, puis tu sais, ça faisait longtemps, Bernard, que je voulais faire ça. Mm-hmm. Moi, ces chansons... Ouais. Elles m'ont toujours bouleversée, elles m'ont toujours... Jamais compris pourquoi ça n'a pas, pas eu de comment hit, ça se fait, puis d'orchestre symphonique, c'est puis Céline Dion en fait quatre, tu comprends? Oui. C'est des mélodies écœurantes. C'est extraordinaire, puis ça faisait longtemps que je pensais à ça, mais bon, là, j'avais fait des séries Annie et ses hommes qui durent 7 ans, Unité 9 qui dure 7 ans, Donc, tu avais ça depuis dans ton computer depuis 15 ans? 10 ans au moins. Ben, c'est mon idole. Ouais. En tout cas, c'est un grand pour moi. Mm-hmm. Puis, j'avais pas le temps, j'avais pas l'espace, puis j'avais un petit peu peur aussi. Mm-hmm. Tu sais, quand tu es plus jeune, on dirait que le regard des autres est peut-être plus important, puis t'as peur, puis ça. Ils vont m'attendre. Moi, me l'ai rendu à notre âge, il nous reste juste à avoir du fun. Hein? Oui, bien... C'est tout ce qui nous reste dans la vie. Ayons du fun. Ouais. La pandémie est arrivée, j'ai rien devant moi. Je te jure, Bernard, je me suis levée un matin du mois de mai. Pouf! C'est parti. J'ai fait... Mais... C'était là. J'ai fait... Mais oui, mais... C'est là. C'est là. Ouais. C'est là qu'il faut que tu fasses ça. Toi, tu jouais avec le puzzle, puis tu as joué avec les textes, puis les titres. Ah, écoute, j'ai appelé Michel Poirier, qui va faire la mise en scène, que j'avais fait les Tremblés avec. J'ai dit, écoute, j'ai envie de faire quelque chose depuis longtemps, puis je pense que je vais le faire là. Puis là, j'ai dit ça, il dit, Glenn, j'ai des frissons. Oui, bien, c'est clair. Là, il dit, là, oublie ça, là. Puis lui, ça a dû se mettre à flasher, son affaire. Alors là, lui, il avait déjà travaillé avec Martin Leclerc, le producteur qui avait fait le show de Marie-Denise, puis Jo, puis Marie-Denise. Puis Marie. On va le rencontrer une semaine après. Il capote. Il me dit, bien, écoute, il faut que tu ailles parler à Yvon. Tu sais, lui, il parlait de ça. Bien évidemment, j'aurais jamais fait ça si Dit, je te le permets pas, bien entendu. Alors, tu sais, j'ai écrit un petit courriel, tu sais, en disant, bien, j'ai un projet de spectacle, j'aimerais ça t'en parler, puis tout ça. Tu avais rencontré Yvon déjà? Oui, mais comme ça, bonjour, comment ça va? Il te connaît, il sait que tu le connais. Moi aussi, je vous aime, puis bon, tout ça. Mais là, viens en campagne, j'étais avec Julie en campagne, venez nous voir. Alors, je dis à mon chum, dimanche matin, on était invités, tu sais. Là, on part. Je te dis, j'avais 8 ans dans l'auto. C'est là, clair. Comme, ton idole. Ouais. Puis, je suis arrivée, bien là, tu connais la gentillesse puis la générosité de ce monde-là. Ben tu sais. Oui. Je suis arrivée, j'ai exposé mon affaire. Il voyait bien que j'étais émue. Puis, que je... Puis il me dit, écoute... Go for it. Là, il m'a dit, je suis honorée que tu fasses ça. Je dis, non, tu comprends pas, là. C'est moi qui est honorée, tu sais. Je dis, vraiment... Il dit, fais ce que tu veux, carte blanche. Il dit, t'as toute ma confiance. Donc, ça donne des ailes aussi. Faut que tu le prennes aussi, Guylaine. C'est sûr que, tu sais, tu fais, je vais chez mon idole, puis je suis impressionné, tout ça, puis je veux faire ses textes et tout, mais lui aussi, il peut être impressionné par toi, parce que... Oui, mais on reste tout le temps... Tu fais le même métier, tu fais des affaires extraordinaires, et lui est là comme témoin, puis il sait bien, puis il doit t'admirer, tu comprends? Oui, mais tu sais, dans notre tête, les autres, c'est... Je sais, tu dis, ils vont déchirer sur un téléphone, je vais faire un téléshow, il va faire non, on s'en sac. Non, ça venait de toi, Guylaine. Donc, je suis vraiment heureuse, tu sais, qu'ils me disent, écoute, vas-y. Puis il était touché, Yvon, parce qu'il dit, jamais personne pense à mes chansons. Bien, c'est ça que ma question qui me venait. Je disais, tu quelqu'un qui l'a
qui a amorcé ça. Qui a été fait à un moment donné, tout ça, mais faire sur scène un show à partir de ça. C'était-tu les gars? Non, ça s'appelait, Mes chansons. Je m'en souviens plus, là. Chansons. On a réentendu ces airs-là, c'est certain. Mais elles sont pas si connues que ça, ces chansons. On connaît Aimons-nous, Les Fesses. Mais tu sais, il y en a écrit, tu sais combien? Il y en a écrit plus de 50. Je sais. C'est fou, hein? Oui. Donc, moi, je me disais, ça se peut pas. Moi, mon but, là, Bernard, c'est que les gens qui sont pas encore en amour et qui vont des champs le deviennent. Je suis pas jaloux, je le partage. Oui, c'est ça. Je le partage, ils vont. Et puis, t'es crasse parce que tu vois le... Comment c'est... Oui, c'est ça, c'est un virus. Oui, exactement. Mais faut pogner un très, très bon virus. Oui, un très bon virus. T'as tout compris. Parce que c'est trop un grand homme. Oui. Pour qu'on... Puis tu sais, ces chansons aussi, c'est ça que je lui disais. Moi, ces monologues, je ris encore, je pleure de rire. Je les ai dans la voiture. Mais pour moi, à mon sens, moi, je serais pas capable de les faire. Pour moi, c'est lui. Mais ces chansons, c'est la partie la plus sensible puis la plus vulnérable de lui. Hein? Tu sais, Yvon, c'est ça qui était formidable, un monologue. Paf! Et là, on était toutes bouleversées, puis après ça, je disais, hey, le beau de grand-père! On aimait ça le voir débouler les escaliers, puis il venait de nous faire brailler. C'est drôle, parce que quand je suis allée le voir, il m'a dit, à une condition, Guylaine, là, je me disais, oh mon Dieu, il va-tu me dire que tu prennes des cours de chant, que tu je sais pas quoi, parce que je suis pas une chanteuse, mais il a dit, je veux que tu chantes seule. Et là, j'ai dit, hey, à ma grande gêne, là, je la connais pas. Il dit, personne la connaît. C'est une chanson... Bon, il écrit les paroles, évidemment. C'est Serge Fiori qui écrit la musique. Et c'est sur la peur qu'on a tous. On sait tous qu'on va mourir. Mm-hmm. Mais la peur ultime, c'est de mourir seul. Seul, Puis dit ça, je voudrais que tu la chantes. Ah oui, formidable. Je voudrais vraiment que tu la chantes. Puis imagine ce que cette chanson-là résonne avec les deux dernières années qu'on vient de vivre. Ben oui. Tu sais, absolument. Ça commence, la chanson, par « Qui me tiendra la main au bout de mon chemin? » On veut pas être seul. Et c'est ce que tu dis là, c'est... C'est dur parce qu'on en voit des gens, on en a vu, et c'est ça le plus grand drame. C'est ça le plus grand drame. Ben oui, c'est ça l'affaire la plus déchirante au monde. Alors, il m'a dit, je veux que tu chantes ça. J'ai écouté ça chez nous, j'étais en larmes, tu sais. J'ai dit, bien évidemment que je vais la chanter. On a un petit micro, là, pour toi. Juste un petit micro, puis Mike va être là avec sa petite caméra. Ouais. Peut peut-être aller inviter, tu sais, les gens de la maison. Avec plaisir. Et nous dire ce que tu veux, prendre un petit 30 secondes. Avec plaisir. Et c'est juste là. On t'a mis un accessoire au cas, parce qu'on sait que t'es sensible, parfois. J'ai ça facile, hein? Je sais bien, je sais. Ils l'ont jamais fait aux Gémeaux. Ah, il aurait dû, par exemple. Oh, Seigneur. Bon, écoutez. Ben, ça me fait très plaisir de vous inviter à venir voir mon show. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. C'est une affaire qui me tient à cœur depuis très, très longtemps. Puis je veux vous rencontrer à travers les chansons d'Yvon Deschamps parce qu'elles sont belles, sont profondes, sont lumineuses aussi. Puis je veux vous rencontrer à nouveau. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis cette fois-ci, ben, je ne serai pas cachée en arrière d'un personnage. Je vais être juste moi. Guylaine, Guilou. Alors, je veux qu'on passe une belle soirée ensemble, puis que vous sortiez de là, puis que vous, chacun de vous, puissiez vous dire, hey, on est quand même chanceux d'être en vie. Alors, je vous attends. Et voilà. Et voilà. Pas tout le monde qui sont rendus là à se dire on est chanceux d'être en vie. Ouais, non, c'est pas tout le monde. Tu sais, tu disais, qu'est-ce que ton expression que tu dis souvent, moi, c'est ça. C'est, je pourrais mourir là, quand je vois un beau coucher de soleil, quand je vois. Après toi, tout ça, je fais bon, hey, c'était le bonheur. Apprécier. Hein? Apprécier. Et puis, il faut le répéter, il faut le dire, il faut vraiment. J'ai bien hâte de t'entendre parce que tu dis, ben, je suis pas une chanteuse, moi, je sais que tu sais chanter. Et une comédienne qui sait chanter chante différemment d'une chanteuse qui n'est pas comédienne, à mon avis, mais tout se peut là-dedans. Et puis ce que tu vas offrir, je pense que ça va te... Bien, en tout cas, je vais y aller de tout mon cœur parce que je ne sais pas comment tu vas faire.
Comment cette charge émotive, je cette sais pas. Charge des mots et de mes messages. Oui, je sais pas, parce que là, présentement, il y a Monique Fauteux, la magnifique ouais, Monique je veux Fauteux. Savoir, ben, qui Michel Poirier, formidable. Michel Poirier, la mise en scène, Jean-Fernand Girard, direction oh, musicale. Formidable, le frère de Rémi, je l'adore d'amour. Oui, il est formidable, puis il va avoir deux musiciens avec lui aussi. Bon, puis Monique Fauteux qui m'aide pour les chansons. Puis là, des fois, je répète avec elle, puis là, blou. Ça doit. Là, je fais, excuse-moi. Ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui. C'est le temps d'être pleuré, là. Oh. Comme il faut, oui. Puis ouais. C'est le temps d'être ému. Parce que des fois, tu pleures, mais parce que c'est beau. C'est beau, c'est tout. C'est juste parce que c'est beau. Et tu pleures peut-être juste, c'est toi qui pleures à ce moment-là, puis d'autres pleureraient peut-être pas nécessairement. C'est ça, c'est ça. Ça t'amène... Donc, moi, j'ai vraiment hâte de faire ça. Puis comme je disais, là, ça va être la première fois hein, que moi, je suis Guylaine sur scène. Ouais, en fait, on est habitué de se cacher, nous autres. Oui. On est habitué de se cacher. T'as pas fait de show d'humour encore? Non. On va-tu en faire un que je te dispute? Je sais pas. Bon, on dirait que je suis pas douée pour ça. Ouais. Je sais pas. Oui, bien, c'est parce que c'est un autre mode. Moi, je suis... Toi, t'en as j'en fait? J'en ai une, en fait. Oui, j'en ai fait, mais à deux. Puis nous autres, c'était des personnages qui sortaient d'une pièce de théâtre. Là, encore on là. Était des personnages. Ben oui, mais... comment ça s'appelait? Avec Patrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, mais c'était des personnages. Il y avait du théâtre là-dedans. Oui, c'était du théâtre, exact. Tu sais, mais moi, m'amenez-moi... En tout cas, je sais pas. Ben non, je fais des blagues parce que c'est tendance actuellement. Il y a les comédiens qui deviennent humoristes, puis les humoristes deviennent comédiens. Parfait. Mais mélange les genres. Il y a des comédiennes qui vont chanter des textes d'un humoriste, des textes tristes, des fois, d'un humoriste comique. Ça se peut, tout ça. Ben, moi, je pense, moi, j'irais voir ce show-là. Vive le mélange des genres. Vive le mélange des genres. On est là aujourd'hui. Totalement. Hein? Si on pourrait partir aussi longuement là-dessus. Oui, puis le mélange des âges. Des âges, des genres, des styles, des pensées, et des façons de faire. Puis acceptons tout. Puis disons merci la vie, c'est ça que ça s'appelle. Oui, ça s'appelle la vie. D'ailleurs, c'est drôle parce que Yvon Deschamps, il y a une chanson qui s'appelle « La vie est belle ». Oui. Tu sais, puis tu te dis, c'est exactement ça qu'il faut savourer puis célébrer à chaque fois parce qu'on est chanceux. Ouais. Puis faire ça le plus tôt possible. Je comprends qu'on est jeune, on fait « Ah, là, ben du temps devant nous autres. » Ça va vite. Au jour le jour, mon sac, j'ai bien des affaires à faire. Mais commencez à y penser de bonheur pour profiter vite de cette pensée-là. Parce que c'est une pensée. On pourrait partir d'une secte de gens qui aiment... qui vivent la seconde près. C'est ça, exactement. On donnait des ateliers d'une seconde. C'est là, là. Merci, le prochain groupe. C'est là. C'est là, là. Ça, OK, respire. Oui. Eh bien, voilà. Toutes vivent, tu sais. Oui. Tu sais, moi, quand je vais être une vieille madame, là, vieille, j'espère. Ça va là, moi, je vais être assise sur une chaise berçante puis dire... Vive. Je n'ai aucun regret. J'ai juste des beaux souvenirs. J'ai juste des souvenirs. Oui, puis j'écoute mes os craquer. Oui, puis je ris tout seul. Ouais. On rit tout seul. On repense à nos personnages qu'on a fait. Oui, nos personnages. On regarde notre CV, on pense à notre CV puis nos trophées. Oh, Bernard, ça t'arrive-tu des fois d'oublier des affaires que tu as faites dans le CV? Hey boy. Le monde font... Hey, oui, on a la chanson que vous avez chantée dans le doublage de ça, là, une belle chanson. Non, ils m'a font écouter. C'est pas moi ça. Je me souviens pas. Ça t'arrive, moi, tu me rassures. Ça m'arrive, oui. Que des fois, ça fait... Ouais, mais des affaires, tu sais, au théâtre, là, telle pièce au 4 sous, en 81, tu sais... Ah oui, c'est vrai. Tu te souviens plus du titre. Il y en a qu'on veut oublier. Oui, ben ça, on n'oubliera pas ça. Mais on n'oubliera pas ce moment-là, ma belle chouette, parce que c'est un bon âge. T'es tenu 5 minutes de plus que normal. Ça me dérange tellement pas. Mais on va le couper au montage, c'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai, mais tout ce que j'ai eu le goût de te dire, c'est... Écoute, avec ça, Guylaine, on va te connaître encore sur une autre note, sur une autre mélodie et tout ça. Puis, t'as encore quoi, 40 ans devant toi pour nous surprendre. Pour apprendre le violon, la flûte traversière. La flûte traversière, la barbe. Faire un show de bombarde. Juste un show de bombarde. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci, Guylaine. Merci, mon beau Bernard. Puis là, on se fait encore des bisous parce que. Regarde, écoute bien, ça va sortir. Bisous. Quand on pourra. Ben, on a le droit presque. On n'a plus le choix, qu'est-ce que tu veux? On peut plus. Mais quand ça va être présenté, on va pouvoir. Oui. Ce Frenchy. Non, on French. À la scène, mon beau Bernard. Yeah.